Bonjour, c'est This is dans Basique. Sur ce tas de cendres, tu plains. This is réédite L'Amour, son dernier album. À l'intérieur, 5 titres inédits qui parlent d'amour toujours et notamment d'amour filial. Ça, c'est facile pour moi. Après, c'est normal, j'ai tellement d'enfants, j'en ai 5, que c'est une source d'inspiration à profusion pour moi, ça. Peut-être aussi parce que j'en ai manqué, moi, dans mon enfance. Donc c'est assez facile. Rappeur, chanteur, auteur de livres aussi, chez This is, l'écriture est dans sa vie depuis son adolescence. Quels sont les écueils à éviter, selon lui, quand on écrit? Je ne veux pas être impudique, mais en tant qu'artiste, forcément, on donne une part de soi, en tout cas dans ma vision des choses. Donc c'est une espèce de ligne assez fragile qu'il ne faut pas franchir. Hier, j'étais bien, la main sur son sein, plein de bouche à bouche. Quel regard porte-t-il aujourd'hui sur ses tout premiers écrits? J'écoute pas mes premiers textes. C'est comme quand on regarde les photos du collège, on a honte de comment on était habillé et tout. Moi, c'est pareil, j'écoute pas mes premiers textes. Je suis un jeune de banlieue, je sais que je fascine parce que là d'où je viens, réussir n'est pas facile. Enfin, est-ce que l'écriture est un exercice qui peut être douloureux? Je dirais pas que c'est de la douleur. Je dirais que c'est plutôt quelque chose qui m'apaise et qui me fait du bien. Si j'avais pas ça, je pense que j'irais vraiment. Vraiment pas bien, quoi. Ce qui est sûr, c'est que la réédition de L'Amour, ça fait du bien. C'est déjà disponible et chez nous, c'est déjà un basique. C'est chelou.